Bon, alors. Eh bien, on va parler du Nord-Pas-de-Calais qui se donne bonne mine. Nord-Pas-de-Calais. Ah oui. Bonne mine, Nord-Pas-de-Calais. Calais, oui, d'accord. Oui, tout ça est à la une du Figaro ce matin parce que 5 ans après sa reconnaissance par l'UNESCO, eh bien, le bassin minier a pris des couleurs en misant sur le tourisme. Et à partir de demain et jusqu'au 16 juillet, il y a tout un tas d'expositions, de conférences, de fanfares, de jeux qui sont prévus. Ça va jouer sur 4000 hectares qui abritent quelques 350 biens remarquables inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que nous le montre cette photo du Figaro. Et en fait, le Nord avait un héritage qui est minier. Tout le monde fuyait cet héritage puisque les mines ont commencé à fermer dans les années 70. Et maintenant, le Nord assume cet héritage et du coup, c'est le pari gagnant parce que vous voyez, cette construction neuve à gauche, par exemple, elle reprend l'esthétique des maisons ouvrières. Nous sommes à Bruay-la-Bussière, mais c'est devenu un centre de l'habitat. Et puis à droite, vous avez le site de Valère-Arenberg. 21 millions d'euros ont été investis. C'est devenu un pôle d'excellence en images et en médias numériques. Et en ce lieu, d'ailleurs, fut tourné un film que vous connaissez peut-être, William, parce que je me demande si vous n'y aviez pas un tout petit rôle. Ce film, c'est le film Germinal. Ah si. Eh bien, dans la mine, d'ailleurs. Oui, Germinal, voilà. Avec Gérard Depardieu. Voilà. Avec, dans la mine. Il n'était pas seul, oui. Alors, Arenberg Creative Mind. Film de Berry. Film absolument de Claude Berry. Arenberg Creative Mind, c'est le nom de ce lieu. Et il a été inauguré en 2015 par Costa Gavras. Et c'est un lieu où on tourne, où on peut monter, où il y a des festivals, des avant-premières, des expos, etc. La visite est assurée par Danny Boone. Alors, c'est vachement. Il y a du monde, quand il est là, quand il peut venir. Alors, pour cette assiette, j'allais vous dire combien ? Je ne sais pas. D'où ça vient ? Rapportée l'assiette de... du service de Napoléon. Ah oui, cher. Rapportée de Sainte-Hélène. Elle sera vendue aux enchères le 2 juillet chez Ozena, qui est spécialiste de l'Empire, à Fontainebleau. Alors, le prix, 200-250 000 euros, quand même. Oui, 10 000, oui, faut... Ah, mais c'est pas dans le lave-linge, hein. La vaisselle. C'est de la porcelaine de Sèvres, monsieur. Et oui, ça fait cher la scène de ménage quand même. Hein. Quoi, ça ne se met pas dans les lave-linges, les assiettes ? Ah non, c'est le lave-vaisselle. Déjà, le balai, vous n'étiez pas très bon, mais alors là. Non, mais là, vous allez gagner le truc du meilleur handyman, il n'y a aucun problème. Si vous mettez les assiettes dans le lave-linge, ça, c'est sûr, vous allez remporter la baraque. Là, il y a du niveau. Il est temps qu'il s'en aille, non ? Parce qu'il confond le lave-linge et le lave-vaisselle, ça ne va plus du tout. Ça va pas. C'est un collectionneur belge qui met tout ça aux enchères. Et alors, ça pourrait intéresser des Corses, parce qu'on va revoir l'assiette, regardez, des collectionneurs corses. Parce que c'est quoi le dessin ? C'est l'arrivée de la frégate, la Muiron, à Ajaccio, qui est la ville natale de l'empereur. C'est là qu'il a débarqué en 1799, donc on n'est pas n'importe où, on est à Ajaccio. Voilà, cette assiette provient d'un service où il y avait 72 assiettes, il en resterait 54, mais le reste est à la Fondation Napoléon ou au château de Fontainebleau, et celle-là, c'est un collectionneur belge qui l'a fait. Ah bon ? D'accord, vous nous tenez au courant pour la suite. Merci beaucoup.